On était sorti de l'hôpital normalement. Alors. Oula. On est toujours dans un espèce d'hôpital apparemment. Il lui manque une tête, oui, je crois, ouais. On va pouvoir ouvrir la fenêtre. Remonter? Quand échelle peut-être? Non? Allô? Pas du tout. Quand même, c'est pas ça? Bon. On va aller voir par là-bas. Y a rien. Ok. On est bien au niveau des touches? Ça se trouve c'est les touches qui allaient pas. Ah et c'est ça, pourquoi ça s'est remis à zéro alors que je l'avais changé tout à l'heure? C'est juste pour ça en fait. Qui voulait pas s'agripper. C'est pas la bonne chose. J'ai changé de chapeau? C'est celui-là que j'avais, je l'avais déjà changé déjà dans l'épisode... Ouais. Je l'avais changé. D'ailleurs j'en ai presque pas déverrouillé quoi. Et on est déjà au dernier chapitre. Pourtant j'essaie d'explorer un petit peu tout. Mais pas assez apparemment. Bah, vraiment pas assez même. Ah là là il s'agrippe. J'ai besoin de toi mon ami. Allez. Voilà parfait. Vraiment bien fait le jeu, hein. Franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. C'est vraiment excellent. La profondeur dans le jeu, c'est pas juste un jeu où tu vas de gauche à droite. Il y a vraiment de la profondeur et c'est ça qui est vraiment très très bien fait. Hein. Même l'eau, hein, l'eau qui tombe, c'est propre. Là l'eau qui tombe sur la télé, regardez comment c'est bien fait, les éclaboussures et tout. Énorme. Il lui manque une tête aussi. À la moindre flaque, tu peux te noyer. Yes, carrément, il est tellement petit. C'est quoi le truc qu'on a vu tomber? On entend de la musique sur la droite. Wouah, c'est quoi ça? On va aller voir. Il n'y a rien à prendre par là-bas. Il doit y avoir pas mal de fuites hein, dans ce bâtiment. C'est quoi cette musique? Ah! Il y a eu un petit accident apparemment. Le monsieur est resté accroché. Cassons-nous, il a plus de visage. Ok, c'est bon. On est d'accord, il n'y avait pas de visage. Hein. Ah! Il a eu un petit problème, je crois. Là, on va remonter, je pense.
Et jusqu'à là, ça va. On rentre dans un autre bâtiment. On voit pas grand chose. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont un problème avec les télés apparemment. L'autre il a foncé dans la télé. Ça me fait penser aux zombies de The Last of Us. Oh, c'est pas pareil. Ils ont mis carrément des... un bol, une casserole et un seau pour les flaques d'eau. Enfin pour les fuites d'eau plutôt. On peut pas l'ouvrir. Ah, quand échelle. Hop là. Ah. Prends son bain. Qui se repère au son. Ah oui. Je sais même pas pourquoi je reste accroupi moi. J'ai pas besoin. Hop. Alors. Alors qu'on découvre un peu plus les environs là pour essayer de trouver les chapeaux et tout, ça serait classe. Allez, tu sautes ou tu sautes pas? Moi j'y vais. Oh purée, c'était tellement juste. L'ascenseur qui fait peur. Hein. Ça me fait penser à l'ascenseur de Disney là. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. C'est énorme. On est bloqué? Comment ça se fait? D'accord, donc c'est pas par là. C'est de là qu'on arrive. Ah, il faut sauter, je pense. On peut passer par là. Non, on est coincé par là. Faut sauter par là, alors. J'aurais dû sauter, là. Ok. Donc je saute le temps que... Je pensais que je pouvais aller vers la gauche, mais non, vers la gauche, c'est fermé. C'est vers la droite qu'on peut sauter. Pas du tout, je crois que c'était pas ça. Ok, bon, on recommence. Bien. Je vais pas mourir. Non, c'est bon. Alors, on monte. On reprend la clé. Hop là. Quarte échelle, s'il te plaît, mon ami. Ouais, t'inquiète, hein, je sais bien, mon petit denté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas que j'oublie de sauter à droite. Ouais, il avait pas sauté alors que j'avais sauté en plus. Hein. Hop, on remonte. Ça doit être ça, hein, de toute façon. Là, il n'y a pas d'autre solution. Là, il me refait la courte échelle. Et là, c'est pour remonter l'ascenseur. Voilà. Et quand on le voit arriver, on saute dessus. Non? Oui, voilà. Bien vu, bien vu. Il y a une trappe, là, ouais. C'est une trappe ou... Ouais, c'est une trappe, hein. Un conduit plutôt.
On va aller voir à droite vite fait, puisqu'on n'est pas été voir. Non. À mon avis, c'est bien à droite qu'on doit aller, donc on va aller voir à gauche. Allez, avance. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Un petit bonhomme. Y a pas un chapeau? À chaque fois qu'on trouve ce bonhomme là, c'est pas dire qu'il y a un chapeau dans le coin. On en a toujours pas trouvé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Rien du tout. Hein. Je ne sais pas. C'est la classe là quand même hein. Il va falloir faire la courte échelle à ma vie, le lever design et aux petits oignons, carrément. Non, non, allez, arrête de l'emmener au bout. Il voulait plus s'arrêter. Dans l'autre sens que je veux, voilà. Allez, approche-toi. Allez. Let's go! Bien joué! Porte échelle encore, je pense. C'est clair, ils sont strong, ouais, bah, c'est des enfants, hein. Des enfants qui escaladent carrément des immeubles, même plus que des immeubles, non, c'est... En tout cas, c'est trop classe, hein, franchement, très très propre. Hein. Où es-tu? Allez, allez, on se dépêche. Oula, ça va tomber là, non? Il y a tout qui s'effondre. Je pense qu'on doit courir. On doit courir encore là? D'accord. J'ai vu l'autre s'arrêter, je me suis dit je vais m'arrêter aussi, je sais pas. Ouais, t'inquiète, on s'en fout du level. On peut pas sauter jusqu'à là-bas. Ouais, il fallait juste... Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah bah ça, d'accord. Je croyais que j'étais mort. Mais pas du tout. Oula, il est coincé. Enfin, elle est coincée.
Allez, tire. Voilà. Le canapé va tomber sur nous, mais relevez-vous, qu'est-ce que vous faites? La petite courte échelle pour ouvrir la porte. Look. Ah, on a plus la lampe torche. On l'a perdu? J'ai pas fait attention si on l'avait perdu. On est dans la chambre d'un petit garçon, apparemment. Ah, c'est quelle porte qui s'est refermée? C'est celle-là, d'accord. Il y a eu un bruit ici, non? Encore une télé. Ouais. Alors, toujours pas ce que c'est, hein. On a ça pratiquement dans chaque épisode, mais on sait pas trop. Ah, on peut l'ouvrir ce coup-ci. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Un homme très étrange. Et qui est-ce? Qui est cet homme? On le voit à la télé maintenant. Je sens qu'il va sortir de la télé. Exactement. Il sort de la télé, cassons-nous. Mais il est immense. Il fait peur. Non, il fait pas peur. On n'a pas peur. En plus, on court au ralenti. Il est tellement grand. Oula, notre ami va se... Ah, je suis désolé mon pote. Il enlève les petits garçons, enfin les petits enfants plutôt. Et après on a son esprit apparemment. Donc c'est ça les esprits qu'on découvre tout le long du jeu. Ou pas. On peut sortir maintenant. On peut y retourner. Oula.
assez spécial quand même, hein. On peut passer là, dans le trou? Non, on peut pas. Il va falloir grimper à mon avis. On va rentrer dans une autre télé. Hop. Oh, ça devient du portable là, carrément. D'accord. Donc là, il faut que je reparte dans la télé pour pouvoir aller de l'autre côté. Ouais, c'est ça, c'est du portable le jeu. Hop là. Attention, ça va casser là, non? Même pas. On en fait de l'escalade, hein. Oula. Ça va, on n'est pas mort. À mon avis, il va falloir... Il va falloir l'allumer, à mon avis. On va voir, non, il n'y a rien par là. C'est bien fait, hein. Il faut être devant la télé pour que ça marche, c'est classe. Hop là. Ah, on a gardé la télécommande. Ouais, c'est bien fait. Vraiment bien fait. Rentrer à gauche apparemment. Ouais. Un chapeau ça. Oh yes. Le deuxième chapeau seulement qu'on a découvert quoi. On va le mettre hein du coup. C'est fou quand même qu'on a chopé que deux chapeaux. On refera les niveaux je pense hein, pour essayer de les déverrouiller. Pourtant j'ai l'impression de vraiment tout fouiller quoi, mais apparemment non. J'essaye en tout cas. A mon avis le chariot on va pouvoir le tirer, non? Peut-être pas, il y a la télé. On peut quand même le tirer, ok. On peut passer derrière. D'accord, on revient ici. On peut s'agripper là, ok. On sait pas qu'on pouvait s'agripper. Ouais, donc le chariot c'était bien ça. Ah non. Bah si, c'était ça, mais à mon avis j'ai juste mal sauté. Comment je peux le mettre droit? Tu peux le prendre, s'il te plaît?
On peut pas le bouger de place? Bah oui, mais si je le mets comme ça, ça sera peut-être mieux. On recommence! Je crois qu'il galère à la... Voilà. Alors, il faut pas aller trop loin. Là, on est bien, je pense. Voilà. Ok. Je lui ai éteint la télé, mais je pense pas qu'elle me voyait dans le noir. Il y avait un petit coin sombre et tout, je pensais que c'était bon. Bon. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour qu'elle puisse bouger de la pièce. Mais je dois me cacher, je pense, derrière le canapé. Non, non, non. Ah, j'aurais dû rallumer. Je pense que j'aurais dû rallumer. C'est bon. Merde. Ça va. Ah. On va faire. On doit pas faire ça? Y a pas... Ah, il y a la télé allumée. Ah oui, mais je dois rentrer dans la télé. Ça, pour que je puisse arriver de l'autre côté. Ouais, je pense que c'est ça. Si je l'éteins, et que je me cache dans la... Non, peut-être pas, je sais pas. On va tester. Non, c'est pas ça. Oh, Marie-Joseph. Ouais, c'est bon, elle est attirée par l'autre télé. Trop près? Ah, j'étais trop près. Voilà. Bonjour madame. Alors, pareil, même combat. Énorme. Oula. Remonte! Allez, on remonte! Voilà.
Allez, on saute au sein, hein. Quelque chose à voir par là-bas? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se suicider? Ils vont se suicider? Oh là, qu'est-ce qu'ils font tous? Mais ils se suicident tous. Un. Il y en a qu'un pour l'instant. Un autre. Ok. Il est vraiment bizarre ce jeu. Bon, on doit faire ça, ok. Encore une télé. Oula, ouais, voilà, on a bien fait de regarder avant. J'espère que... Oui, on va atterrir dans la dans l'autre fenêtre. On a bien fait de regarder avant, hein. Sinon, on serait tombé dans le vide. Et là, on doit s'agripper. Voilà, super. Ils sont intelligents quand même pour des petits enfants. Aussi petits. D'accord. Donc là, c'est électrifié. Oula. À mon avis, il va falloir le faire pour... Il y a quelqu'un qui va sortir de la porte. Il va falloir courir là-bas et l'électrifier. Allez. Allez, viens, mon petit. Oula là, vite, vite, vite. Super. Dans ce cas là ça va. On sort très très bien. On peut pas monter. On aurait pas dû faire ça. C'est pas grave, on a regardé quand même ce qu'il y avait. J'ai dit je découvre tout, donc forcément il y a des fois où ça se passe mal. Bon, avant de rentrer dans la télé bêtement, on va aller voir ce que ça mène là-bas. Hop. On est sur une... Bon, alors on aurait dû regarder peut-être la télé avant, tant pis. D'accord, ouais, bon bah c'est ça. Et on peut atterrir ici à mon avis. C'est une trappe où à mon avis on peut passer que de l'autre côté, non? Si j'ai bien compris. Oh, on meurt pas, je croyais qu'on allait mourir.
A mon avis, ça va être le même principe, il va falloir sauter. Non ? Les chissons. Oui, là, on peut rien faire. Qu'on doit faire. Et si on remonte l'ascenseur, on remonte vite là pour pouvoir aller sur le... Ouais, on va faire ça. Il va falloir faire vite à mon avis, il va falloir sauter. Il va falloir sauter là, rentrer dans la télé et après monter sur l'ascenseur. Allez, vite. Non, bah non, bah oui, bah forcément si je perds du temps comme ça déjà. Ouais, je pense que c'est bien ça qu'on doit faire. C'est ça, mais il faut le faire plus vite du coup, pas rater le premier coup, pour aller à l'étage entre les deux. Parce qu'il y a un étage entre les deux, hein, donc je pense que c'est ça. C'est même... Ce qui est énervant, c'est que... Un coup il saute, un coup il... Qu'est-ce qu'il fait là? Il arrive pas à sauter dessus. Voilà. Ah mince, j'avais pas vu. J'avais pas fait attention, j'étais en train de regarder la femme qui regardait la télé du coup. Donc il va falloir passer sur la baignoire, je pense. Pas comme ça. Ah bah mince alors, il veut pas s'accrocher au lavabo. C'est énervant ça. Ah voilà, alors faut que je monte sur le... Oh là là. Les sauts ils sont vraiment mal faits je trouve par contre dans le jeu. Ça saute pas loin, c'est une catastrophe. Heureusement qu'on respawn juste à côté parce que... C'est fatigant, voilà. On peut pas sauter là. On peut pas. Non, à part sur le lavabo, je pense. Il peut pas ranger sa télécommande. C'est un truc de fou, ça. Et la télé, on peut pas l'éteindre en étant dans la pièce d'à côté. Hein. J'ai déjà essayé tout à l'heure. Là, cette musique. Ah si, j'ai pu le faire.
Ok, nickel. Je pensais pas que tu pouvais le faire en étant de ce côté-là, pourtant c'est pas... Bon. Yes, allez. Oula. Ils me font délirer quoi, ils sont tous là à tirer. J'ai du mal à bien voir les trajectoires. Sur les jeux vraiment en 3D où c'est tout autour de nous, là je m'en sors mieux. Sur les jeux comme ça j'ai toujours du mal. Non mais là il est pas bien là. Il est pas bien placé. Ah ça va, il y va tout seul. Ok. Là ça va, on peut venir là tranquillement. Alors on doit monter pour aller à la trappe, je pense. On a ici. Ok, donc là. J'avais même pas vu la même pièce. Ok, donc il n'y a plus d'électricité de ce côté-là. J'espère que c'est pas temporaire. Vite. Ils sont vite quand même dans le doute. À mon avis, faut pas faire ça. Purée, je le sens pas là. Non, pas du tout. C'est pas ça qu'il faut faire quand même. C'est très bizarre que ce soit pas ça. Non, on peut pas, hein. Et là on peut pas sauter là, c'est sûr. Je peux la comprendre des fois moi. Comment c'est sûr que j'arrive pas à le pousser ce qu'a dit. Ah voilà. Le saut, il va être dur, à mon avis. Le saut va être compliqué. Sachant que j'ai déjà du mal de base. Ben oui, mais je peux même pas. Comment je peux faire ça? Comment je peux réactiver l'électricité de ce côté-là? Si je réactive, il faut que je repasse par là-bas. Il faut que je remonte par là. Donc il faut que le caddie soit proche de là-bas. Je pense que là, on est pas mal, hein. Ah mais merde,
Mais c'est compliqué à contrôler ce qu'a dit, hein. Oh, quelle galère. Bon, allez, j'espère qu'on va pouvoir sauter jusqu'à là et qu'on doit pas tout recommencer parce que ça va m'énerver. On peut monter direct par là. Ouais. Non. Alors, surtout, on ne se rate pas. Je peux passer au moins? Il n'arrive pas à monter. Oh, on peut pas monter en fait. Donc c'est pas ça. Mais non, t'es sérieux? Ah mince alors, c'est pas possible. Faudrait que j'arrive vraiment à le mettre au milieu là. Oh, ça va être dur. Hein. Voilà, déjà je suis pas si quand même. Ok, je pensais pas que je pouvais sauter au moins jusqu'à là-bas. Ok. Ça va. Oula, vite. Bonjour. Me faites pas de mal. Oulala. Ah, mais des coups de tête. Oui, ils vont casser. Ils vont le casser. Oui, ils l'ont cassé. Vite. Ah bah les télés là, ils vont m'aider là. Voilà. Tout s'est passé à mon avis. Vite, 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 faut courir. Bon ça va, c'était facile. Hop, allez, on monte. Encore une télé. Ah, à mon avis, il va falloir attraper la hache, je pense, pour pouvoir péter la porte. Oh, il y a notre ami. Il y a là, mon pote. On peut le tirer. Non. Il va sortir. Je suis où? Je suis bloqué, je peux rien faire. Je ne sais pas où je suis. Mon perso était coincé. Oh, il y a quand même pas mal de bugs hein, sur celui-là. Hein. Par rapport au 1, franchement, le 1, je trouve qu'il n'y a pas de bug hein, par rapport à celui-là. Bon, en tout cas, la hache, on sait, du coup, la hache, elle tombe du... Elle tombe du mur, hein, donc il faudra faire vite.
Allez, vite! Lâche-moi ça! Oh là là, ça va être juste là! Ah bah, il prend son temps! Alors, comment je peux aller plus vite que ça? N'importe quoi là! Bon, bah, il faut faire encore plus vite apparemment! Pourtant, j'étais à fond! Allez, allez, on ne traîne pas. Voilà. J'ai fait exactement pareil pourtant, mais... A mon avis, il peut pas venir là, hein. Il peut pas non plus casser le mur, je pense. Il est au-dessus de nous. Il m'a fait peur. Alors, on a tabouret. Il arrive! Vite! Ça fait tellement flipper, sa race! Il saute pas, ce con! Vas-y, c'est bon. Oh, vite, il faut. Il est déjà là! Au secours! On saute! Ouh! Il a failli pas sauter en plus. Allez, on arrive dans un train. Il est encore là. Faut se cacher ou pas? Non, on doit pas se cacher, je pense. On ne pense pas qu'on doit se cacher, on doit y aller. Plus il se rapproche de nous et plus on est lent, j'ai l'impression. Regardez comment je suis lent, là. Il passe à travers et tout, carrément. Il est de plus en plus lent. Oh, mais mince. Non, ça se joue à rien à chaque fois. Hein. Allez. Voilà, déjà, j'avais perdu du temps tout à l'heure. Là, il faut vite relâcher. On relâche. Voilà. Là, c'est bon, on a le temps. Ouh là là, j'en perds ici. Ouh, j'en repère ici. À mon avis, ça va être tendu là. C'est bon. Au revoir, monsieur.
Là, on peut pas reprendre la télécommande apparemment. Est-ce que c'est tous les personnages qu'on a déverrouillés? Enfin déverrouillés, qu'on a récupérés, je sais pas trop comment on peut dire ça. Durant toute l'aventure. Possible, hein. C'est notre pote, ça, non? Toujours la petite musique, l'ambiance... Je sais pas si on est sur la fin, mais je m'attendais à un peu plus violent sur la fin quand même. Si c'est la fin en tout cas. Il nous a fait peur un petit peu le monsieur, il nous a couru après et... Enfin couru. Il nous a poursuivi, mais ça n'a pas été non plus ultra incroyable je trouve. On va voir hein, si c'est la fin. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son chapeau. Pourquoi? Pourquoi le chapeau s'en va? Ok, c'est moi qui contrôle le truc en tout cas. Comme avec la télé, en fait. Par la gauche, par la droite, par la gauche, au milieu. Est-ce que c'est fini? Tout s'effondre. Y a pas un truc qui peut s'effondrer sur lui et on n'en parle plus. Sauf qu'il est à moitié invisible en même temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais pas rien faire en tout cas. Retourne dans la télé. Tu n'as pas à être en dehors de la télé. Ok. Ça ressemble un petit peu à la porte qu'on a à la taverne de la télé là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on est revenu ici. Et là, ce coup-ci, on n'est pas dans un rêve, on est vraiment... Bon endroit, enfin on n'est pas dans un rêve, entre guillemets. La porte s'ouvre toute seule. Non.
Oula. Bon, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on est. On tourne en rond là, non? On est revenu au même endroit, alors attendez, qu'on réfléchisse. Ok, et si on part par là? On revient là. Ah, c'est pas mal ça! Y a un rapport avec la musique peut-être? Je n'arrive pas à comprendre le délire. Y a rien d'autre à faire hein, à part les portes. Mais si je viens là, je repars de l'autre côté. Et là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est dans deux mondes différents en tout cas. Là on est proche de la musique. Et là on est loin. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je comprends rien du tout. On s'éloigne de la musique à chaque fois? Je ne comprends rien. Je suis perdu, ça y est. Dans tous les cas, la musique. Ah, voilà. Bon, là, ce coup-ci, j'y vais pas. Hein. Il faut toujours que j'aille là où il y a la musique, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, bon, c'était tout con, mais... faut les comprendre au début. Ouais, voilà. Il faut toujours aller là où il y a la musique. Ok, c'est bon. Il en a fallu du temps, hein, pour comprendre. Ok. La musique, elle est... là. La musique est toujours là. La musique est toujours là. Il y a un rapport avec la porte, j'ai l'impression. Ah, on voit l'ombre dans la porte de gauche. Hein. T'as vu, je peux l'ouvrir. Hein. Et... musique, où es-tu? Là ou là? Ouais, non, c'est bien là-bas. La musique est là. Pas là. Pas là non plus. Elle est là. Yes. C'est le vrai bordel quand même ici. La musique est bien ici. Hop. Oh là là. Il y a beaucoup de portes là. Faut sauter là? Non, je pense pas. Pas la musique. La musique n'est pas là non plus. La musique n'est pas là, donc est-ce qu'on peut sauter? Ça me paraît loin, hein, on va le tenter. J'ai pas sauté, hein, donc forcément, si on ne saute pas, ça va être compliqué! Thank you.
On va retenter. Non, on peut pas. On peut pas sauter. Il faut repasser par les portes. Oula, va falloir réfléchir autrement là, je pense. Oui, oui. Pour pousser les objets. Ah, on peut faire tomber ça. On va pouvoir passer peut-être. Ah, d'accord. Donc là, d'accord, on va pouvoir avancer comme ça. Ah oui, mais dans ce monde-là, est-ce qu'on peut... Est-ce que... Ouais, c'est bon, il est bien. Ok. Ah. Celle-là, à mon avis. Celle-là, maintenant. Ok, parfait. Facile. La musique est bien par là aussi. Ah bah voilà! C'est toi la musique que j'entends depuis tout à l'heure, c'est quoi ça? Ah! Je crois qu'il est un peu plus grand maintenant. Elle est un peu plus grande maintenant. Salut mon ami! Tu es devenu grand. Tu es devenu belle et grande. Arrête de le cacher, donne-le-moi. Sois gentille. Oh, oh, oh. Ah, merci. Allez, prends-le. Papa, je peux rien faire. Ah bah t'es pas gentille. Je croyais que tu étais ma copine. On peut rien faire avec l'objet. Hein. Faut que je la tape. Faut que je tape le jouet. Attendez, ça me gratte. Je sais pas ce que j'ai, ça arrête pas de me gratter toujours au niveau des yeux et du nez. Alors. Oula, pas du tout. Oh 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 oh. Tu veux un coup de... Je fous un coup de marteau, moi. Ah d'accord. C'était bien ça, en tout cas. Oula, ça s'effondre. Elle est pas contente, je crois, là. Elle m'a tué à travers la porte! Elle a mis un coup dans la... Bah pourquoi tu t'arrêtes? J'avais appuyé pourtant... Ah mais en gros tu te prends un truc où tu t'arrêtes une, même pas une demi-seconde, t'es mort. Fallait... Ça va, m'a pas vu. Le temps qu'elle regarde à gauche, il va falloir que j'aille à la porte. Ouais, il fallait juste que j'attende.
Ah ouais. Alors que je l'appelle, je pense. Ok, donc si je l'appelle de ce côté-là, elle vient là, je ressors de l'autre côté, je vais chercher le marteau, je vais chercher la hache et c'est good. Donc là... Voilà, parfait. Alors, où est-ce qu'on est maintenant? Franchement, là, c'est énorme, j'adore. Les énigmes comme ça, je kiffe. C'est tout, enfin, c'est simple, hein, c'est pas, pas un truc de ouf, mais au moins, c'est simple et efficace, quoi. Et l'ambiance, franchement, est toujours aussi énorme. Oula! Alors, même principe, à mon avis, jouer avec les portes et puis ça... Là, j'arrive ici. Là, je suppose. Ouais, j'arrive là, forcément. Je peux pas monter, hein. Dès que je monte, elle fait ça. Elle m'a raté. Elle m'avait raté le premier coup. Mais je pense pas que c'est ça qu'on doit faire quand même. Non, j'étais trop vite. J'aurais dû attendre qu'elle avance. Je pense que c'est quand même ça qu'on doit faire. Pourtant c'est bien ça quand même, c'est pas... je suis pas fou. Alors là, je l'ai pas fait assez vite. Yes! C'est vraiment très juste, hein. Il faut vraiment faire le timing parfait, quoi. On est bon. Oula, c'est quoi ce bordel? Lâche! Oula! Non, t'es sérieux? Lâche, elle est repartie à droite. Comment on peut faire? Bon, elle est déjà revenue. Elle est déjà revenue. Comment je pourrais ramener la hache? Mais non, mais... Je comprends pas qu'elle a été attaquée à droite alors que je l'ai appelée à gauche.
Elle me tape en étant à gauche, mais c'est une blague. Oh, le coup qu'elle me met. Non mais sérieux, elle est déjà là? Elle est déjà revenue? Non, je l'ai appelée à droite, et là, elle se fout de moi. Elle se fout de moi. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Hein. Parce que là, le temps d'aller chercher la hache, c'est impossible, c'est trop long. C'était logique finalement. Ok, à mon avis là c'est la phase finale. Allez, prends-moi cette hache. Ce jeu est d'une beauté, franchement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça résonne tellement dans sa tête. Yes, on a cassé le jouet, j'en pouvais plus de l'entendre, la musique. On l'a pas encore cassé totalement. Là, maintenant, je pense que oui. Elle est redevenue un enfant. Et plus ce monstre horrible. Il va falloir courir dans l'autre sens, de l'autre côté. J'ai un peu de retard, j'ai l'impression. Il doit avoir un peu de retard à mon avis. C'est quoi cet œil horrible? Oh le, oh là 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 là, c'est pas beau. Mais oui, j'avais du retard dès le début en fait. Dès le début j'avais du retard comme j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il fallait descendre. Ben non, mais je peux pas. Moi en fait je dois pas monter, je dois pas le suivre. Moi je la suis comme un con. Je dois pas la suivre. Je dois descendre en bas. Enfin, je dois rester sur la plateforme du bas. C'est fait exprès en fait d'avoir du retard. Bon là par contre c'est pas fait exprès. Tellement limite là. Et moi je dois rester sur cette plateforme. Sur celle-là, voilà. Voilà, je pense que jusqu'à là c'est bon.
A chaque fois, c'est à la limite, hein. C'est ouf. Ça va être tendu, à mon avis. Il va falloir que tu m'aides, mon pote. Bien joué. Tu me sauves la vie. Allez. Pose sur les bras. Elle m'a lâché, la saloperie. Ah, la coquine, elle m'a lâché. Le jeu est tellement glauque, c'est horrible, j'adore. C'est vraiment trop bien, franchement, énorme. C'est vraiment un cauchemar, voilà. Là, le jeu, on peut le dire, c'est un cauchemar. Bon, voilà. À mon avis... Pas encore sur la fin. Je croyais que c'était fini, mais non. Pas encore. Est-ce que c'est dégueulasse? Je devais monter là, non? Oh, hein, il y avait une chaise. Ils sont pas beaux les yeux. C'est moi le roi maintenant, le roi de vous. C'est tellement horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a grandi, hein, voilà, en si peu de temps. Il fait toujours les mêmes cauchemars apparemment, même plus vieux. Toujours sur la même chaise. Il est emprisonné dans ce cauchemar. Il ressemble au gars qui m'a poursuivi, quoi. Il est immense maintenant. Bah, c'est bien ça. D'accord. C'est ça qu'il y a de l'autre côté de la porte. C'est cet homme. Cet homme incroyable qui au final est moi. Enfin le perso qu'on contrôle. En plus vieux quoi.
Voilà, bah on a fini Little Nightmare 2. Franchement, énorme. Ce jeu est vraiment trop trop bien quoi. Le 1 était déjà génial et le 2 toujours aussi bien quoi. Niveau graphisme, c'est vraiment énorme. On se rend même pas compte, hein. Sur un petit jeu comme ça, enfin un petit jeu, entre guillemets, un petit jeu comme ça, franchement c'est vraiment très très peaufiné et tout. Franchement, c'est vraiment top. J'ai vraiment adoré l'histoire, l'ambiance, les. Tout est trop bien quoi. T'es vraiment à fond dedans et voilà, franchement, j'ai vraiment kiffé. Mais bon, c'est déjà fini. On a fait à peu près 4-5 heures quoi, de jeu, grand max. Un petit peu plus que le 1. Le 1 était un peu plus court. Il l'avait dit hein, de toute façon que le jeu était plus court. Enfin, le 2 était plus long que le 1. Donc voilà, franchement, la classe. Donc on se donne rendez-vous pour une nouvelle aventure!